spectateurs, on appelle salut encore une fois, on appelle dire bienvenue sur l'autre édition de Tête à Tête sur Télé Créole. Aujourd'hui, on appelle gagner deux programmes très spéciaux avec yon ou deux invités qui ont parlé nous de deux sujets qui d'actualité, d'actualité intense dans la communauté, puisque le concerné est haïtien qui résidait ici dans Massachusetts, ou bien aux États-Unis, et haïtien qui vivent l'autre bord de l'eau dans le pays d'Haïti. Donc, c'est pour nous parler de ça, nous avons identifié pour vous comme un programme de réunification de familles haïtiennes entre ça qui est ici et ça qui est l'autre bord de l'eau. Et alors, nous avons introduit invité nous. Et deuxièmement, nous avons gagné une chance par un hasard extraordinaire dans le cadre de faire recherche ou bien faire contact au niveau culturel. Gagné un artiste qui résidait dans Rhode Island. Et puis, nous avons arrivé, fait monsieur, font un voyage pas bon ici, quand nous pourrons parler de carrière et de évolution comme artiste en parlant de Gérard Dorcéa. Donc, on reçoit premier invité, nous, Mme Carline Désiré, Mbarelo Carline, de l'Association Femmes Haïtiennes en Boston. Bienvenue sur Télé Créole. Bonsoir, Chalo. On a tout profité, salut tous les téléspectateurs. On a dit nous bonsoir et Happy Valentine's Day. Ah, vous retirez par là l'embouche. Moi, c'est la première fois que je vois avec une superbe couleur rose. Donc, on a tout profité de dire à vous-même et à Famille et à Mario une très bonne fête de la Saint-Valentin. Thank you. Et m'a tout fait ça tout avec tous les téléspectateurs et pour Chemin Zaha que nous avons célébré la semaine du 14 février, encore une fois, à nous-mêmes, meilleurs vœux de bonheur et d'amour. Et si nous-mêmes qui gagnons 30 ou bien 40 ans de mariage, et bien nous servons d'exemple à la communauté ou bien à petit nous, nous souhaitons que nous continuions à revivre un moment ça qui était mené nous ensemble et nous continuions à vivre présent et nous continuions également tout. Dans le futur, avec même amour, avec même intensité. Donc, on propose et puis on peut retourner rapidement avec invité nous pour nous parler du programme, ça encore une fois, été branché, et programme de réunion famille haïtienne. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah.
Nous avons continué le programme encore une fois et nous avons dit que nous allons parler de programme spécial, ça, mais nous avons parlé de 11 invités, en fait, nous avons gagné 2 invités. Et donc, d'abord, Mme Caroline Désiré, qui est directrice exécutrice au niveau AFAB. Et deuxième invité que nous avons gagné, qui est très important pour nous signaler Wally, puisque l'initié mouvement ça que nous avons parlé là, c'est représentative, ou bien députée, Mme Linda Dorsenafori, que nous avons dit bienvenue. Bonsoir. Merci, bonsoir. Et, d'accord, donc, Mgal Fonti, Jean Bénin, deux bagages importants qu'à parler là. D'une part, le programme réunification famille haïtienne. Également, tout gagné mois, ou bien journée internationale femme qui a venu dans le mois de mars. Mais, bon, on prend ça qui est plus près. Et, gagné, il y a une pétition électronique qui a été signée. Il y a une copie qui a commencé à faire tout dans plusieurs organisations pour parler donc question de family. Reunification program, yep, c'est ça? Haitian Family Reunification Parole Program. Parole Program, yes, okay. A long word, li long, long. OK. Et ben, on a un background sur la question, ça. Est-ce que son bagage qui fait à fait Kounian là ou bien il là depuis longtemps? Ça, c'est un petit, si on a fait Kounian, mais son bagage qui nous a travaillé sur lui pour un bon temps, pas vrai? Ou qu'on est que vraiment bagage nous a travaillé sur nous toutes les vies ensemble, c'est TPS, Temporary Protective Status, Kaline Désiré, AFAB, avec l'autre groupe haïtien, on mettait ensemble pour dire que ça, qu'on travaille avec USCIS, avec immigration, pour nous aussi nous qu'on extend TPI, you know, TPS, là, which was great, President Obama, il y a une bonne extension qui était bon. Et Kounian, nous avons Haitian Family. Donc, rapidement, on va aider Mounio, on va définir TPS, là, encore, c'est qui ça? Que j'en ai défini. Temporary protective status. Statut temporaire pour Haïtiens. D'accord. Pour les gens qui étaient là avant le tremblement de terre. Les filles, ils ont vu une nouvelle pour les gens qui étaient là après le tremblement de terre. D'accord. Qui tombe extraordinaire parce qu'ils n'ont pas voulu ouvrir pour les gens qui étaient là après le tremblement de terre. That's right. Donc, c'est ça. Il faut que nous fassions. Nous avons fait 5 ans avant pour nous lutter pour ça. Mais nous faisons. Nous faisons effort ça pour nous gagner un résultat. Oui, oui. Absolument, pour nous gagner un résultat. D'accord. Et peut-être ça, nous avons commencé dans le Haitian Family Reunification Program. Ça, c'est un programme que l'administration a fait à Cuba. Côté gang, plus que 30 000 personnes haïtiennes qui sont en Haïti. Qui déjà passé dans le process application ou connaît application son application qui est difficile bah vrai pas bagaille ou file le fi ba y a grant ou visa ou green card bah comme ça so nous gain plus que 30 000 moun qui na Haïti kounya qui déjà passé process là yo déjà dit comme ça qu'il a approuvé yo dit que ça oh, OK nous ouais que ou pas vaca bon ou pas venir faire ou connaît bagaille ici nous ouais que ou c'est bon moun n'a quitté rentrer mais yo juste pour qu'on gain visa yo so ça n'a demandé avec programme Haitian Family Reunification Program, Parole Program, na, c'est pour dire que ça, quitter les gens qui viennent ici, et pas tout le monde qui vient dans Massachusetts, Boston, mais quitter les gens qui dans les États-Unis, venir jouer une famille, pour qu'on ait même que, qu'on ait attendu là, ici, dans les États-Unis, pour visa ou green card là, et puis qu'on ait travaillé, qu'on ait volé l'argent back dans Haïti. Nous connaissons la situation, on a vraiment de travail pour les gens, c'est ça que nous demandé. D'accord. Donc, il y a des familles haïtiennes, qui gagne qui catégorie monde qui type monde comme si comment ça t'a ramé faire entrer ici est-ce que c'est maman papa est-ce que c'est petite ou bien c'est une variété certainement ça nous les Haitian Family Reunification Parole Program non c'est un programme qui est extrêmement important comme et député Dorsina Fori fait mentionner qu'a permettre moun qui résidait pas bon ici qui gain citoyenneté américaine ou bien qui gain résidence la permettre yo t'es déjà mettez application pour moun en nous dit Marie madame petite ouais le fait que loi dit que yo gen droit réunifier avec famille yo pa bo ici depuis yo gen statut légal correct alors moun sa yo déjà voye chercher madame Marie petite yo et ça passé c'est que kounye a gion situation pour la sorte de transition on comprend alors tant pour moun qui déjà approuvé k'ap gen visa k'ap gen green card yo tant pour yo rete en Haïti pour yo faire entre 3 à 5 ans vaut mieux que yo quitte moun yo déjà passé tout test yo ça veut dire que tout bagay clé plutôt nous bayon chance pour yo vinn tann visa pas bon ici yo fait examen sang yo fait tout examen qui possible alors on a parlé de plus que 30 000 moun 2010 nous t'a dit 30 000 chiffre là augmenté mais pour essentiel là c'est que son bac est extrêmement important et madame Dorsenafori mettons pétition de yo nous avons pas
paquet de politiciens qui déjà approuvé, le politicien au niveau fédéral, nous avons des politiciens au niveau État Massachusetts, n'a parlé aux environs de plus que 90 politiciens qui déjà dit oui, il oui. fait sens pour président Obama quitter mon saio entrer. Donc c'est président Obama qu'on a essayé pétitionner avec initiative ça. Oui, c'est ça exactement. C'est vraiment président Obama mais n'a voyons copie tout à secrétaire Janet Napolitano. On connaît même c'est lui-même qui secrétaire Homeland Security. So gouverneur Duval Patrick déjà voyons lettre et secrétaire Napolitano. Nous gain congrès et délégation Massachusetts là en pile là même si on lettre qui aller dans nos Napolitano, Janet Napolitano a mandé pour le programme ça. Et nous avons Massachusetts Black and Latino Legislative Caucus. Nous travaillons avec des collègues pour signer la lettre pour vous et tout. Donc, nous avons une pétition, ça a marché bien. Donc, so, nous souhaitons que les gens signent. Nous avons plus de 600 personnes qui ont signé une pétition. Et nous ne connaissons pas tout le monde qui a un computer. Nous ne connaissons pas tout le monde qui a un computer. Donc, so, nous avons évidemment des papiers, copier tout, copier papier. Copier, c'est ça. Moi, il faut rentrer sur les fonds au niveau communautaire pour faire mon gain accès à copie sous papier, pétition, ça y est. Mais de façon beaucoup plus générale, est-ce que climat politique là aux États-Unis en termes de dialogue ou de conversation sous immigration, est-ce que climat est favorable, est sensible pour baisser ça à l'image ou bien pour président Obama répondre à pétition ça? Moi, je suis favorable parce que je n'ai pas celle de Boston. Par nous avons Miami, nous avons New York, New Jersey, nous avons pile monde qui fait et qui dit ça, qui fait collaboration, qui fait partnerships pour travailler ensemble, pour passer et voyer lettre au Congrès pour dire que ça, c'est un bagage nous besoin de support. Et le National Haitian American Elected Officials Network, c'est une organisation des députés, city councilors qui haïtiens, haïtiens américains qui n'ont position elected et qui viennent ensemble qui support. Haitian Family Reunification na tout les filles l'autre groupe pour comprendre Brian Kincannon and the Institute for Justice for Haitian Democracy. Oui, il était là avec nous récemment, nous avons interviewé, il t'a expliqué nos processus qui t'a mené à expliquer lui parce que ça il t'a poussé ça longtemps tout. Et son groupe qui était devant là dernier qui a poussé lui bail comme ça. So I mean nous gagne pile travail pour nous faire mais nous connaît que communauté haïtienne nous toujours venir ensemble et pas seulement haïtien non c'est amis nous tous, amis nous qui pas haïtien mais qui support Haïti qui gagne pile et you know qui remet Haïti qui remet Haïti. D'accord. Donc, on parle de façon pratique, qui gens haïtiens qui viennent réellement rentrer dans le mouvement ça? Parce que nous avons à peu près 10 000 pétitions. Signatures. Yes, alors, moi-même, comme haïtien, je me dis la plus intéressant si mon yo joue des feuilles. Bon, il y a besoin électroniquement, yeah, des feuilles papier. Qui gens nous a percé dans la communauté pour nous mettre bah, à disposition dans des points côté au cas signal? C'est ça. Et nous avons une situation très positive côté député Dorsina Fori mettre une pétition de yo. Depuis le mettre pétition de yo, nous commencé simailler sur internet là. Non seulement nous simailler sur internet là, nous même l'association femme haïtien nous mandé copie pour pétition, nous fait copie by étudiants dans local AFAB là qui commencé à rassembler signature pour nous. Mais ça de plus important, c'est que ce n'est pas TIAFAB seulement, c'est tous 100 000 Haïtiens, plus que 100 000 Haïtiens qui sont dans Massachusetts, là, nous avons besoin d'entendre, nous avons besoin de signature. Alors, ça nous voulons faire, nous-mêmes, nous n'avons pas un rendez-vous, ou même quand nous avons un rendez-vous, rendez-vous, c'est pour lundi 20 février à 6 heures tapant. Nous avons gagné des milliers de pétitions qui doivent passer dans le local CAFOM aussi. Nous avons vérifié les pétitions de plusieurs côtés, non seulement ou abjoignons dans l'église, ou abjoignons dans l'organisation de base, ou abjoignons, mettre deux ou trois dans la bibliothèque, surtout dans la zone Boston. Alors, rencontre cap faite lundi. 20 février à 6 heures tapant, c'est pour inviter tout grand public là, toute communauté à venir passer signer et nous avons un meeting à faire pour nous mettre un plan stratégique sous pied pour nous maximiser en sorte de signature drive. C'est ça. Ça veut dire que et nous besoin ouais dans quelques semaines si nous ca gagner vraiment entre 5 000 à 10 000 pétitions. Là nous fait
voyez toutes 5 000 à 10 000 pétitions au bas du président Obama parce qu'ils ont commencé à dire qu'ils n'ont pas senti la communauté haïtienne. Ils ont besoin de boîte. Nous-mêmes, nous avons besoin de boîte. C'est ça. La communauté haïtienne, c'est ça la demande. Ce n'est pas simplement politique. Bon, rappelez encore, parlez non à FAB et adresse à FAB encore, c'est 330 Full Street Dorchester. Mais nous avons besoin pour l'autre organisation communautaire. Nous avons besoin d'affiches, si cher, bien ça, Brockton, New Somerville, pour tout gagner. Ce n'est pas celle Boston, non? C'est ça. Dans toute Massachusetts. Parce que c'est haïtien de tous côtés. Une question également, Kounia Karline. Attends, une question pour rapidement. C'est que, pétition, on veut dire, il faut que nous mettions nos avec adresse. Député Fauri ou bien Linda, qui sont qu'à dire nos si on mettait nos adresses, pour ne pas dire est-ce que l'immigration ou bien l'autorité ne peut venir à des moins ou bien là, ils peuvent venir faire une rétaliation ou bien qu'on danger dans ça. Ok, non, pas de danger dans ça. Ok, parce que nous avons plus d'haïtiens qui ici, dans Massachusetts. Nous avons plus de 100 000 haïtiens qui habitent ici. Donc, il faut nous vivre ensemble vraiment. Ça, c'est un bagage qui est tellement important. Et pas celle pour nous qui est là, mais pour former nous en Haïti. Nous connaissons misère, nous avons passé. Donc, nous avons l'opportunité pour nous dire l'administration, pas nous ici. Nous sommes politiciens vraiment. Pas en Haïti, non, nous sommes Boston, va vrai. Donc, nous avons vraiment travaillé sur l'administration fédérale là. Parce que l'âme qui a eu voix avec nous toutes venir ensemble pour nous mettre voix nous ensemble. C'est ça qui peut faire une différence. Nous disons que nous n'avons pas peur. Que pour signer ou pas un problème et pas ça n'a pas dit ou pas un problème si vous avez un problème relez-moi parce que n'a pas là pour nous travailler avec vous d'accord donc vous clarifiez ça va gagner aucune obligation légale pour nous négocier mais Jim Ghost Kalin le, ça nous a dit ajouter c'est que pétition ce n'est pas immigration vous pouvez non c'est pas immigration c'est président Obama oui. Vous pouvez le joindre avec yeah. Alors que... nous pas ta obligé trop. Et non, mais depuis que j'ai de signé un papier, je vais tout signaler que moi-même, je signe un PAM déjà, ni sur, à travers Facebook. Oui, je suis sur Facebook tout le temps. Donc, je vais adresser ça à toute génération de monde. Donc, grand monde qui parle créole dans la rue, mais jeune, tout ça, avec l'école. Of course. Qui en âge de signer. Est-ce qu'il y a une limitation si on moun, faut bien plus que 18 ou bien 20 ans? Ah, mais dit, faut yon dit, oui, faut yon dit 18 ans, on a travaillé avec collège ou à l'université, parce que nous connaissons qu'il y a un pile organisation haïtien, un pile jeune nous qui dans collège, et dans tout côté, si on a travaillé avec eux tout pour faire pétition dans collège ou bah, et que ça pour nous besoin de support. Mais nous voulons tout le monde, pas seul grand monde, pas seul jeune, et tout le monde, jeune monde, haïtien, pas haïtien. Donc, le monde qui a écouté là, si lui-même le fait signer, il doit passer email là, ou bien information, ou bien voyer le l'autre réseau par les tout, pour nous continuer. Et il doit relayer nous tout, non seulement. Il doit relayer à FAB, dans l'association Femmes haïtiennes en Boston, qui c'est 617-287-0096. Nous avons envoyé email là-bas, ou si vous voulez pas voir email, si vous voulez pas voir en copie normale, nous avons envoyé là-bas, ou nous voulons tout le monde venir dans la côte là, qui tu habite Lynn, qui tu habite Waltham, qui tu habite Brockton, qui tu habite Cambridge, Somerville. Nous voulons tout le monde venir, ou bon contact, ou bon connexion, venir dans la côte là. C'est lundi 20 février, dans 330 Fuller Street, dans Dorchester. Et le numéro de téléphone pour aller, c'est 617-287-0096. Je ne sais pas si vous avez le bureau correctement. Nous avons le numéro très clair. Nous avons le bureau n'importe là, et c'est 617-722-2080. Donc, 617-722-2080. Donc, so, nous souhaitons carréler parce que nous là. Information, ça n'a pas l'air à tout. Nous allons disséminer au niveau radio, puisque même nous avons l'autre niveau d'écoute chaque jour pour nous passer l'information. C'est ça. Au contraire, nous avons en tête pour nous mettre en spot d'ailleurs. OK, c'est très bien. Bon, moi, rappeler encore une fois, puisque nous avons parlé de 5 à 10 000, donc pour l'instant, quantité de monde qui signe, il n'y a pas assez. Et nous étions à peu près combien de temps pour nous envoyer pétition ça aller? Very good. Belle question, Shalom. So, ça n'a pas reconnu que nous faisons remembrance là, dans le State House. Ça, c'est un d'arrêt, merci, Shalom, parce que nous sommes là avec Robert, nous connaissons nous découvrir, so thank you. Mais la personne qui fait, nous connaissons mai, c'est Haitian Heritage Month. So, nous avons dit mai. Non, mais il faut nous avoir plus de 10 000 signatures que nous avons voué pour passer. Et là, ça nous a fait HAU, nous avons fait HAU pour Flag Day, pour Haitian Parade, toutes belles choses que nous avons fait, soldat bon tout, nous avons voué signature à Bayo. C'est ça. Et nous avons dit que définitivement, Saint-Valentin, c'est fait l'amour, pas vrai? L'amour non seulement pour mari, pour madame, pour petit bouboute, mais les bon tout pour frères, sœurs.
pour toute famille, mm-hmm. pour société. Mm-hmm. Alors c'est dans ce sens ça nous dit que ou même cap côté nous mobiliser pour signer parce qu'on gagne l'amour pour ça traiter en Haïti ou pour pays d'Haïti. Tant pris fond et faux. Sous notre ça, bon moi encore rappeler deux dates importantes, on dit que le 20 mars cap on lundi à partir de 6h dans AFAP dans 330 Fuller Street, mm-hmm. n'a gagne réunion ça cap fait avec communauté en côté n'a gagne également tout des copies de pétition ça que mon cas en direct et mon qui voulait prendre information qui a toujours été dans 617 287 0096 il a demandé à Fab pour plus de détails sur information puis aussi écouter dans la radio puis aussi écouter dans email puis parler avec petit tuto puis mettre sur Facebook ou bien sur l'autre réseau que vous avez. Et nous remercions en pile madame Caroline Désiré, madame Linda Dorsena Fori pour engagement yo constant, persistant, permanent et efficace tout. Et nous espérons que la communauté a connaît que ce n'est pas leader seulement qui peut faire part, eux, même qui a une responsabilité. Merci beaucoup et bonne Saint-Valentin encore. Merci. Très bien. Merci, Charles. C'est ça. Et c'était Charles Lucien avec nous pour trancheur spécial. Ça, on a gagné des représentants de la FAB qui viennent parler nous en deux semaines comme ça de célébration Journée internationale de la femme qui va le faire le 10 mars. Donc, on a gagné une chance pour nous parler plus de programme et de symbolisme et de portée célébration. Ça. Nous prenons pause et puis nous retournons quelques instants avec un invité spécial qui sort de Rhode Island, artiste Gérard Dorsea. Mwen wè yon fòm tou déchirè, ak san lè tap koule, lè poche pou l palèm, soufrans la pandure, yo maltrete l, yo te viole l, pitit li finale. Ça te prend quand pour voyager sans compte si à privé. Ah, Haïti, ah, Haïti, ah, Haïti, ah, oh, Haïti, ah, Haïti, ah, Haïti, ah, Haïti. En dans tes quartiers, je ne sais la chôme éco. Pas gain l'école, la vie au doigt, et après nous changer bon. Ben couché longtemps, il est pour le Québécois. Après la fièvre avec la rougeol, il est pour le Québécois. La Cali, la ville tellement dit, petite li, y'a tout fin patine. Sac pour compter pour voyager, sans compte s'y a privé. La Cali, la ville tellement dit, oh, petite li, y'a tout fin parti. Sac pour compter pour voyager, sans compte s'y a privé. Yeah, eh, 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 ah, Haïti, ah, Haïti, ah, Haïti. Ah, oh Haïti, ah, Haïti, oh no, 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 yeah. Bein couché longtemps, oh, l'île pour Québécois. Après la fièvre avec la rougeole, l'île pour Québécois. Bein couché longtemps, oh yeah. Oh, Haïti, my, oh, Haïti, oh, no, 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 mi mwete ye, an do ti kati yo, jenes la chome go, pa ge person ki pou ba yo dlo,
pas gen l'école, pas gen travail, pas gen moyen pour yo chercher la vie meilleure. Oh, Haïti, Haïti, oh, Haïti, oh, 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 yeah. Combien crier pour nous crier? Comme rele pour nous rele, comme crier pour nous crier, comme gout d'eau cap saut nage. Let's sing, guys. Ou soit même arena m'a calculé. Jodi ya ki bon ti moun yo pou al manje. Yo l'année déjà passé vivant nan terre. Mais pas quoi soleil l'a levé pour clater. Tamble mal à vie, c'est chemin, c'est quen. La mes collègues politiciens poisonnés, nous, nous bouquets, ça nous fait n'a payer. Comme crier pour nous crier, comme rele pour nous rele. Comme crier pour nous crier, comme good l'eau cap saut nage. Oh, 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 many times should we cry? How many times should we yell? How many times should we cry? How many tears would come from our eyes? Hey, programme là, nous te signalons que nous avons un artiste là qui est avec nous, que nous fait découvrir, qui sorti dans Rhode Island. Eh bien, monsieur là, avec nous, avec guitare, et ça que nous avons gagné de bon, c'est que nous avons demandé monsieur pour lui faire une performance pour nous en direct. Donc, nous avons parlé de Marc Dorsey. Il y a deux bagues qui intéressent nous. D'une part, c'est peut-être la diversité qui gagne côté monsieur au niveau style que lui chantait, musique d'écoute et musique tout qui est dansante. Et deuxièmement, monsieur chantait dans tous les trois langues. Donc, dans ce sens-là, de Rhode Island, nous avons accueilli avec un pile plaisir Marc. Comment est-ce? Bon, en forme, d'abord, nous sommes tous téléspectateurs Radio Créole, Télévision Créole. Télé-Créole, c'est ça. Et nous sortons, nous rappelons pour nous dans la. Donc, c'est la première fois que nous tombons sur la planète dans la zone. Ça. So, nous pensons que ça était nécessaire. Donc, nous saluons tout le monde. Oui, sur so, la Rhode Island, automatiquement, on prend rentrer en bas coupole, en bas et coordination. Dans même New England. Massachusetts, c'est ça, New England. Okay. Et on fait un retour plus en Haïti. On connaît que vous êtes très actif avec un groupe qui était non seulement chanté, mais qui a fait également performance. Vous pouvez parler de parcours nous comme artiste. Oui, yeah, on parle d'Haïti tout récemment, d'Haïti pour janvier là. Ça a gagné en deux semaines ou trois semaines de venir. C'est ça. Non, on a parcouru un petit genre long, en pile, sur on a juste fait un résumé la donne. C'est ça. Et nous grandissons un petit choral qui est un gros choral qui est le chanteur de Saint-Gérard. Et depuis 11 ans, on a commencé à prendre un cours solfège pour décaler les musiques. Et puis, on a commencé à faire un jeu flûte. Parce que flûte permet que. Flûte, c'est un instrument monodique qui permet que l'objet flûte, les oreilles faites pour l'homme à le chanter. Donc, il y a un conseil pour tout le monde qui a un petit monde qui veut faire chanter. Il faut jouer un instrument monodique d'abord. Et après, ça a été vu dans le piano, de commencer le piano dans Victoria School, car on pouvait dire que les Rommel qui étaient dans l'orchestre cet été, l'orchestre de la Monique. C'est ça, c'est ça. Et puis après, on l'a parcours, nous avons switch de l'église catholique à l'église baptiste, pasteur Gabou de la Réunion. Et puis nous sommes en pile gaz pour ça, c'est choral, c'est bon, nous faisons. Et puis après, philosophie, nous rapide, nous switch dans. Donc vous faites philosophie dans le pays d'Haïti? Oui, nous faisons philo Haïti. Et puis après, nous tombons dans l'école nationale des arts. Là, nous avons chanté en pile musique reggae, jazz, nous avons joué. On n'a pas qu'à l'autre style, par exemple, l'école A, c'est l'école d'Argue Haïti. C'est ça. École nationale des arts et arts. En clair, et au niveau musique, et au niveau art visuel, là, des peintures. Oui, exactement. Sur l'école là, ils font sculpture, ils font tout bas et ça. C'est un peu de musique ou t'es. T'as qu'on est en plastique, yes, c'est dans la musique. Si on fait une histoire de là bas et ça, nous font un petit touche dans la plastique, mais pas dans le domaine, nous n'avons pas fait ça, oui. So, et puis après, nous t'as pensé chez les soeurs de charité de Saint-Louis. Nous enseignons pour 3 ans l'autre bois. Qui cours d'enseigner? Et cours de chant, de travail avec chorale et puis les messes, préparer messes pour eux. Ok. Chorale pour concert Pâques, bah, ça, et puis Christmas. Et puis, nous sommes un gros fan du concours. Ton parcours n'est pas court, mon cher. Oui, c'est très long. Et puis après, nous tenons pas quelque chose, nous faisons finaliste concours ambassade du Canada, concours chanter l'histoire pour Haïti. Et je crois que c'était 2006 ou 2007, concours nous finaliste sur les sound system et qui ne fait pas canard ce final-là.
et puis nos finalistes Star Max qui sont chopés même avec American Idol. Donc même petit campé en termes de parcours ou bien au niveau l'autre a pu commencer comme amateur ou bien l'autre vient en plus professionnel. Est-ce que gagnent des chanteurs ou bien des musiciens qui étaient particulièrement influencés ou comme jeune à l'époque? Nous disons, dans le début de carrière, moi, plus après une fin qui était chorale à l'âge de 16, 17, 18 ans, je plus commencé à évoluer dans le sens que maestro. Parce que je toujours travaillé avec chorale, montrer mon chanter, ça me fait. So, ça a été profession. Ça. Je payé mon bien, ça a été. Et je suis arrivé au stade like 23, 24 ans. Je dis, shit, bon, switch pour mal tomber dans carrière professionnelle, la like solo. Et puis, je dis, bon, je vais essayer de faire ça. Et c'est le même moment que je switch, je pense que c'est après 3 ans, j'ai quitté Kaimeo, j'ai enseigné encore. Et puis, quand j'ai fait une carrière solo. Je suis bientôt bien dans le jazz, je joue avec comment groupe ça, un groupe qui est les Fashion, je joue avec Ralph Sénécal, qui est un groupe qui est les Café, qui est en ambulance sous la lune. Et puis après ça, je viens de switch, je viens de New Groove, qui est un groupe en jazz. Et puis après ça, je viens de camper, je viens de retourner à l'autre show, je viens de jouer Notre-Dame de Paris, qui était un plus gros spectacle qui fait Haïti. En collaboration avec qui? Avec Haïti en scène. Haïti en scène, c'est un groupe qui est dirigé par Stevenson Théodore, qui est Jacques Léon, et puis il y a Bertrand Labarre, qui est en français, qui est mis en scène. Donc, il y a qui dépend plus de 7 mois de répétition pour nous jouer like, sous scène, acting. Et devant un public varié. Oui, yeah, non, ça a été notre classe publique et nous avons quelqu'un qui est sur le website. Nous avons des choses pour regarder. C'est ça. En même temps, tout on a fait opéra mariage Les Gressous, qui était le premier opéra qui fait Haïti avec Rassoul Labichin. Rassoul Labichin et puis Kiriki Anita, right? C'est ça. Yeah. Et puis avec Ifares Blain, qui était dirigé par un groupe hollandais qui était venu à Haïti. Nous avons tourné tout en tournée nationale, je n'ai pas quitté tout le département. Donc, quel style musique aujourd'hui à Kounia, qui j'en caractérisé, le cas classé, qui influence ou qui reconnaît là-dedans? Yeah, de nos jours, on peut jouer like Wallbeat. Musique qui vraiment, you know, c'est une nouvelle génération qui d'ailleurs tout le monde qu'attendait. Mais de part de qualité d'artiste que mieux, je suis un artiste qui vraiment qui ont déjà polyvalent. Je chante musique slow, je chante musique R&B, je chante pop, je chante gas pour tout. Je ne suis pas me lever dans l'église. Je ne suis pas me lever dans l'église, je suis toujours à l'église. So, ça veut dire que je suis un bon Jean-Pil. Et ça m'a fait, me fait la queue, même quand je suis un gift, ça m'a fait un gift qui est from heaven. So, je ne suis pas à, you know, passer ça. Parce que si je lis ça, je vais me lever pour me chanter tout. Je suis pile style nouvelle génération. So, vraiment, mon petit Jean public là, je suis tombé là-dedans direct. Mais l'album que je travaille là, c'est un album qui est plus caractère international. Bon, je me pose une question en termes de Jean Bo ici. Est-ce que vous venez ici avant ou bien après le tremblement de terre? Je viens avant le monde. Je viens ici en 2008. 2008, d'accord. Yeah. On va quand même noter, dans le parcours ou bien biographie ou c'est que vous avez un pile engagement du côté de peut-être Rhode Island dans une série d'activités qui fait après le tremblement de terre. Là. Donc, est-ce que son engagement social ou bien humanitaire, volontaire, est-ce que ça fait partie de philosophie ou même comme artiste? Oui, je suis artiste. Depuis que je écrit ou bien je chanté, je suis chanté pour le monde, je suis chanté pour le changement, je suis aidé. Le tremblement de terre passé, je suis à Brooklyn, et puis je suis même curé Roger, de son américain qui a qui a une grosse organisation Rhode Island. Et puis il est venu à New York, il dit Mark, I just got the news. Il me dit what's going on? Il dit Haïti gon être quelque fait passer par ça. Et puis même moment et puis quand il y a là, il dit moi ou gon ou pas gain dans tête pour ta faire rien. Il dit bon, nous ca toujours planifier mais ça pas dit moi rien, but moi pas connait fond dans cette pour place. Il dit no, don't worry about that. My boy place, my boy tout bagaille, just monte ton programme. Il dit OK. So anyway, de New York me fait tout contact yo. Domek, zanmi mwen ou di yon. Oui, Willy Domek, mwen di yon pou loyo enok. E zanmi mwen di bi Haiti mwen de konen yo. So, pi mwen rassemble artist mwen konen ki wou da yon yo. E pi nou set up place lan. E pi nou fon bel aktivite. Fon bel event. Oui, oui, mwen de wè kek nan rapor ki met si yo, se sa. Yeah, e pi wè kwa se la, so nou just te pran, you know, you just pran koblai pi yo just, you fly, you know what I mean? Mwen bat vreman involve nou baye. Fon wè pale, wè pale de sa, paswe gen trop baye kon sa ki pase pou nou pa fon chita basouli. E mwen Haïtien pur sang, paswe si mwen brade mwen mèm teniso. Teniso Haïtien. Yeah, 100% Haïtien. Trafou Haïtien sou teniso. Yeah, nou ba jen mwen stil sa, e sa fèm fèk nou tel lagouni. Yeah. E l'ot kèsyon ke mwen gen pou ou, ki jan ou evolue, eske publik Amerikèn receptif a müzik ou, pwis kou di mou chante tout an anglè? Yeah, anon di ke, to be honest, je suis plus joué dans un événement américain. D'accord. Like, les festivals, j'ai toujours besoin
you know, like a Molly culture, pour gagner plusieurs différentes nations. C'est ça. So, je toujours presque représenté. Puis, je suis dans tout le dans notre groupe programme. Je suis plus jeune dans l'événement américain parce que, depuis de Whole Island, la communauté est fermée. Et puis, you know, sometimes, je suis dans le groupe pour faire l'événement. Je ne sais pas, mais je ne suis pas organisé. Ok, d'accord. Et puis, dans les autres, je suis là-dedans. So, mon petit Jean, je ne sais pas si je pense que je suis un peu mais je ne suis pas un monde qui. Like, ou professionnel, c'est tout. D'accord. Donc, vous attendez au niveau de professionnel. Let's go straight. Yeah. Présentation performance. Et bon, aujourd'hui, il est arrivé que c'est le 14 février, mais il y a plusieurs monde qui parlent de programme ça après le 14 février. Yeah. Est-ce que vous avez des chantiers romantiques qui va en tête de Kounia? Pas de problème. Si je prends guitare là, bon, petit bagage. Bon, petit bagage, Kounia. Bon, une minute. C'est ça, d'accord. Je vais vous parler de ma vie. Ne me dites pas pourquoi que c'est triste. Écoutez-moi, faites silence. Parce que dans l'absence, la vie a du sens. J'ai grandi dans la guerre, dans le fond du désert. J'ai sorti au fond de l'enfer avec elle. Je veux refaire ma vie sous le ciel. Du plus profond de l'océan, il y a un cœur qui bat sans Dieu, sans espoir. Alors ne vous tendez pas, laissez rattraper pour le sauver. C'est puissant. Ça va lancer dim là. Ça va lancer dim. Son belle interprétation. Yeah. C'est l'homme c'est puissant, c'est que lumière en l'air, tu commences à secouer sous vibration, voilà. Et dis-moi rapidement, ou composer également texte, yo. C'est texte. Donc ou écrit musique. Donc ou un petit côté poète sur les bords également. Yeah, me t'aime la poésie depuis l'école. J'ai toujours écrit. C'est ça. Et puis au fur et à mesure, m'écrit, and then et comme si il était just in it. C'est ça. C'est ça. Toute musique que je fais sur l'album, c'est moi qui travaille. C'est ça, d'accord. Et est-ce qu'on a une interprétation en anglais que vous avez partagé avec nous là tout? Pas de problème. On fait un petit peu pour dire cela. Let's just do something for Haiti. Haiti, once again, is on the map with Marco, aka Master Mike. I cannot stop singing for what's happening in my country, yeah. 300,000 people dying no life for the survivors. Every person sees on the street misery, poverty right on their face. They need change and they're tired of our mess. Even the kids can't blame no more. Even women don't receive love. What's a shame, it's more hard for the poor. There's no dream for the youth no more. All we see is the hopeless door. Behind the door, see me tell we put more in. We want change happening. Children, we start playing. Brothers and sisters, back to the love aim. Show to the world that we can always do better. Don't forget that we have a story, we have a past. Open your eyes, you're the
the light. Don't forget that we have a story, we have a past. We won't change happening. Children, we start playing. Brothers and sisters, back to the love. Hey, show to the one that we can always do better. Je vais parler de range en anglais, mais on variété ou bien pas qu'on a défini le niveau tonalité voix. Donc yeah. Ça, ça fait partie de formation qu'on a au niveau vocal. Parler de, on parle de timbre. De timbre, hein? C'est ça le timbre. Yeah, hein? I'm a strong singer. Mm-hmm. Depuis le m'a chanté, j'ai toujours gagné. Dans tout style, m'a joué. Même le m'a dans le studio, c'est un pile. Non, attention, des fois, et je n'ai pas dit, Mark Frontier, you know, don't stay too close to the microphone, parce que voix tellement strong, comme c'est puissant. Il faut contrôler tout le temps pour make sure. Parce que, moi, je dis que c'est la mixe. Vous comprenez? C'est parce que nous travaillons en pile. Et pour qu'on ait commencé à base classique, parce que je suis chanté musique Dice, Mozart, Baïsa, Wendell. Depuis que je suis chanté musique, ça, je suis chanté opéra. En pile, sauf que je suis tellement bien développé, je suis tellement bien développé. C'est. Je dis la blague. Mais je crains vraiment de droit à chanter ta loi là, conseil de l'élévation de faire avec les notes. Je me dis que je ne vais pas trembler dans l'air. Oui, ça dépend du style. Là. So, depuis le style de musique varié, il y a une musique qui m'a dit tant de types d'énergie, il n'y a pas moins de toute énergie. Ça. Vous comprenez? Il y a une musique qui vient le pays natal. Haïti, mon pays natal, c'est pour toi que je chante et je rêve. Haïti ma terre tropical, je ne veux pas plus rester dans la ville. Haïti mon pays natal, c'est pour toi que je chante et je rêve. Haïti ma terre tropical, je ne veux pas plus rester dans la cité. Je veux plus de haine, je veux plus de guerre. Laissons grandir les enfants de nos. Ouais, musique ça va pas prendre même force avec cette nappe chantée. Musique qui dit, je vais vous parler de ma vie. So, chaque musique yo, style musique là, dis-moi comment vous chantez. Il dit mes puissances, mes nombres d'énergie qu'a utilisé dans la musique là. Vous comprenez? Chaque musique que vous jouez, vous chantez, elle a une façon, un nombre d'énergie pour utiliser dans la puissance. So, lyrique là dit ça, mélodie en joue ça. Vous comprenez? Personne n'a écrit, mais vous faites l'effort et ça. D'accord. Et parce que bon, ici, nous recevons un pile musicien qui aussi entre la guitare et la voix, c'est mariage ça que vous faites. Donc ça, forcément, peut évoquer par exemple l'autre musicien comme qu'on est sous Boïsien, Guy Franz, je ne sais pas si qu'on est là. Non, bah, non d'accord. Je suis un style musique troubadour que les classifier tout de vaudou jazz. Okay. Ça. Yeah. Est-ce que jazz gagne un rôle ou bien une influence dans la musique? Non, je ne suis pas vraiment utilisé jazz. Je ne suis pas vraiment penché sur jazz. Je ne suis pas jazz longtemps, c'est parce que je suis dans l'école nationale des arts, quand je suis dans l'école d'art. Les ressorties, parce que normalement, Haïti, je crois que. Musique qui prestigieuse, musique qui classe, c'est l'objet jazz. Alors après, au fin, jouer la classique, parce qu'on est classique, là, même si la donne. C'est ça. So, that's the first one. Bien, l'école, là, pour mieux, si on sortit au photo, on joue jazz en pile. So, là, on sortit, quand on joue le jazz. Mais qui était vraiment au échec, parce que, imagine, on copie une place publique, qui ne peut pas être monde qui va connaître la musique comme le jazz. On va dire, on a dit, ça n'a pas fait là, qui ça n'a pas réglé là, on a essayé, on joue comme ça, qui a fait là, on so des go expérience avec ça qui pas de faire bien du tout mais l'autre calcul moi fait généralement monde capte des musique il pas vraiment mélomane genre monde parce que et surtout avec Haïti il y a une direction spéciale il y a une direction spéciale il y a un style bien déterminé qu'on pas quand même innover rien c'est juste ça là dans les street c'est ça so me tout me fait musique qui plus à lieu mélodique comme si bagaille monde pas besoin qu'on musique. Vous entendez, vous avez besoin de musique pour vous aimer. Zoé facile. Et qu'on s'en fait musique. Et ben nous disons que nous avons recevoir la jeudi encore une fois. Ils ont invité spécial, c'est Marc Dorcéan. Je suis entre parenthèses, moi, il y a quelqu'un qui semble être fait au fil tout à l'heure, mais bon, ben nous des références. Nous avons toujours contacté ou bien regarder le site, ou bien prendre des extraits de musique. Li, dans Marc Dorcéan, weebly.com, MARCDORCEAN.weebly.com. La propose, nous avons peut-être une chance, ou M. Tou, dans un série de spectacles qui était enregistré live, c'est-à-dire en direct. Donc, nous avons monsieur dans des jeux scéniques. Encore une fois, nous avons recevoir Marc Dorcéan, nous avons retourné avec dans quelques instants.
pause. Vous qui avez voyagé, qui avez lu, vous devez dire ça, bienvenue à Biron. Vous qui trouvez que l'homme est bon, parce qu'il sait faire de belles chansons, si vous trouvez celle-ci est bonne, bienvenue à Biron. Et celui-ci, c'est comme ailleurs, les hommes ne sont ni pires ni meilleurs. Hé, hey, vous qui venez chez nous ce soir, par l'heure ou par hasard, vous êtes à Biron, la belle Biron, la ville où tout le monde se déteste. On voulait partir vers l'ouest. Ici c'est pas l'amour des rois. Ici les familles font la loi. Pas besoin de choisir ton camp. On l'a fait pour toi il y a longtemps. Vous êtes à Biron. On parle de Biron. Ici le venin de la haine. Où l'on nous vit comme de l'aubaine. Et sur nos jardins sont fleuris. Et sur nos femmes sont belles et cuites. C'est comme un paradis sur terre. Mais nos affaires sont un enfer. Vous endormez en étant certain d'être élu. Ici on est sur deux personnes, bienvenue à Biron. C'est bien, nous sommes bénis des dieux. Ici on meurt, mais on meurt mieux. Ici chacun a sa couronne, bienvenue à Biron. Monsieur ici, c'est comme ailleurs. Les hommes ne sont ni pires ni meilleurs. Hé, hey, vous qui venez chez nous ce soir, par l'heure ou par hasard, vous êtes à Biron. La belle Biron, la ville où tout le monde. On voulait partir vers l'ouest. Ici c'est pas l'amour des rois. Ici les familles font la loi. Pas besoin de choisir ton camp. On a fait pour toi il y a longtemps. Vous êtes à Biron, la belle Biron. Ici le venin de la haine. Où l'on nous vit comme dans nos veines. Bien sûr nos jardins sont fleuris. Bien sûr nos femmes sont belles et fines. C'est comme un paradis sur terre. Mais nos amers sont un enfer. Pas besoin de choisir ton camp. On a fait pour toi il y a longtemps. Ici le venin de la haine. Coulant nos vies comme dans nos veines. Et sur nos jardins sont fleuris. Et sur nos femmes sont belles et nues. Non vision tamé moi voyon femme tout déchiré accent l'étape collée les poches pour le palais souffrance la pendure yo maltraité yo te violé petite li finale. Ça pas content pour voyager sans compte si à privé. Ah, Haïti, ah, Haïti, ah, Haïti, ah, oh, Haïti, ah, Haïti, ah, Haïti, ah, Haïti. En d'autres quartiers, je n'ai la chômeco. Pas gain l'école, la vie au doigt, et à peine non changé bon. Ben couché longtemps, l'il est pour le Québécois. Après la fièvre avec la rougeole, il est pour le Québécois. La Cali, la ville tellement dit, petite li, y'a tout fin patine. Sac pas compte pour voyager, sans compte si y a privé. La Cali, la ville.
parti. Sak mwen kante pou voyaje, son kon si a privé. Yeah, Haiti, 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 oh Haiti, Haiti, oh no, 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 yeah. Peyin kouche lontan, oh, li le pou ke me kol. Apre la fye vak la oujol, li le pou ke me kol. Peyin kouche lontan, oh yeah. Haiti, Haiti, my oh Haiti, oh no 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 mi mwete ye ando ti kati yo jeunesse la chome go pa gen personne ki pou ba yo dlo pa gen l'école pa gen travail pa gen moyen pou yo chèche la vie meilleure oh Haiti, Haiti, I oh Haiti, oh 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 yeah. Comme crier pour nous crier, comme relé pour nous relé, comme crier pour nous crier, comme goutte d'eau cap saute nager. Sing guys. Ou soit même arena rem a calculé. Jodi a ki bon ti moun yo pou al manje. Yon l'année déjà passé vivant enterré. Mais pas que soleil a pleuvé pour clarté. Tremble mal la vie, c'est chemin, c'est quen. La me choléra politicien poisonné nous. Nous bouquets, ça nous fait n'a payé. Comme crier pour nous crier. Comme relé pour nous relé. Comme crier pour nous crier. Comme un goutte d'eau cap saute danger. Oh, 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 many times should we cry? How many times should we yell? How many times should we cry? How many tears would come from our eyes? Hey, oh. Voilà, ça c'est Marc d'Orséan, mon cher, félicitations. Thank you. Bon passion extraordinaire. Au fait, si Marc a pris celui-là, c'est pas chaleur, j'ai l'impression, c'est non. Intensité. Intensité. D'accord. Musique la cour. Donc, clairement, je ne tape tout à l'heure là, une forme d'engagement, une forme de passion pour Haïti. Yeah. Et ça, c'est aussi de qui ça? Est-ce que comme si l'évasion ou bien origine en Haïti? Je pense que moi qui est tellement like. Me fait soucier moi pour un plume pour m'écrire and then avec tout problème moi qu'a passé dans pays remonte me jour côté me sorti parce que me joue en pile là et me joue en pile dans ghetto yo remonte me jour so en les moi ça qu'a passé devant comme si moi chanter seulement pour faire plaisir pour me pas porter un message qui qu'a fait un changement ou bon message qui qu'a fait monde prêter attention comme si moi son crime pour moi that's a crime you know what I mean as an artist comme si moi forme penser pour monde ou comme madame jo qui dans milieu ça ou défavorisé ou bien fait monde qui placé pour eux ou voyer chez sou yo on si mais que 10 musique on pense au moins former que 3 musique qui pour yo si m'a fait ça moi son mal fait. OK, m'gen deux bagages importants besoin faire là rapidement, yeah. M'suspecte gen moun ki ka intéressé prend plus information sous musique ou bien sous même est-ce qu'encore une fois qu'a partager site ou avec un yeah, rapidement site là c'est www.macdocean.wibley.com www.macdocean.com Mark M-A-R-C Dorcean D-O-R-C-E-A-N .W-E-E-B-L-Y.com Bon, dis-le, bon créole toujours www.macdorcean Mark Dorcean correct point, oubli, c'est W-O-O-B-L W-E-E B-L-Y.com .com, magnifique. So, il y a une chance sur le site là. Et puis, le téléphone, c'est 401-359-3528. 401-359-3528.
359-3528. Sur le site, il y a bien chance pour entendre un new single, un nouvel album qui fait sortir. Son musique qui est Turning On, son musique qui est en anglais, mais qui rythme presque folklore sur son mix haïtien. Y compris, il y a des musiques tout qui sont interprétations de musique de Noël sur le site là. Oui, non, c'est la charge de musique. Mais la musique, ça me dit spécialement sur la musique qui a sorti sur l'album qui est sorti pour vacances, pour son time, non? Qui est supposé d'ailleurs. Léo clique dans la vidéo, Léo clique sur le website, là, ton reggae song. Don't worry about the reggae song. Just go straight. N'après mon mouse foot, amène la guitare. Just click sur tout ça et puis n'après des musiques qui fait sortir sur l'album là. Bon, pour le bagage qu'on y a, oui, ou Rhode Island, mais l'on a célébré moi héritage haïtien de Massachusetts. Rhode Island toujours invité. On y en là, on prend notre musique. Ok. Si je dis à me lever que m'absente, pas moi ça bouger pour plaisanter. Je dis à ce joie de mon qu'à crier, c'est qu'on s'alabille elle toujours à bouler. Comme on sait vous pas une chose qui fait la vie tout monter. Est-ce qu'on est qui ça que t'es planifié pour la vie ou payer? Font-ils lever, bien calculé, pour écouter ou parler? Font-ils lever, bien calculé, pour écouter ou parler? La vie pas jamais facile pour mon comme souffrir. Est-ce qu'on est qui joue à délivrer? Parfois on a perdu. Il y a des gens qui ont perdu les deux. Pas au fond, c'est bon, j'ai pour la vie ou pas des soudés. Pour de la tracée, faut respecter. Soleil levé, levé, et son compte qui va la coucher. Bon Dieu, mettez, fais-nous accléter. L'hiver salvé, et c'est lui qui nous a décidé. Avec des yali fait tout salver, ça qui porte tout c'est lui même mieux représenté. Pour que je fasse qu'il n'en pas besoin goût, mais c'est même nouillé. Mais que même bout, même si t'as voulu dire pour nous salver. Faut respecter la vie sur escalier, on peut dans le même c'est qu'à toi et pour pas passer dans deux. Oh, 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 la vie pas jamais facile pour mon temps souffrir. Ok. Si je dis à me lever que m'absente, pas moi ça bouger pour plaisanter. Je dis à ce joie de mon qu'à crier, c'est qu'on ça la vie elle toujours à bouler. Comment est-ce que vous pas une chose qui fait la vie tout monter? Est-ce qu'on est qui ça que t'es planifié pour la vie ou payer? Font-il lever, bien calculé, pour écouter ou parler? Font-il lever, bien calculé, pour écouter ou parler? La vie pas jamais facile pour mon comme souffrir. Est-ce qu'on est qui joue à délivrer? Parfois on a perdu un œil, y a des gens qui ont perdu les deux. Pas au fond, c'est bon, j'ai pour la vie ou pas des soudés.